السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir à vous tous, où que vous soyez. Nous sommes ravis, heureux et honorés de vous recevoir parmi nous ce soir. Alors, vous le savez, c'est plus un secret pour personne. Nous sommes dans cette charmante ville, à savoir El Jelfa. El Jelfa qui se situe à peu près à 300 km d'Alger, de la capitale. Et à partir de cette ville, à partir du siège de la wilaya dans lequel nous nous trouvons, je vous souhaite à tous et à tous de passer avec, à notre compagnie, Inch'Allah, une agréable soirée en notre compagnie. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour vous parler de El Jelfa à cœur ouvert. Thank you.
مرحبا بكم encore une fois où que vous soyez. Nous sommes ravis de vous recevoir parmi nous. Et pour commencer cette émission, avant de vous présenter nos invités, laissez-moi vous dire quelques vers justement de ce poète qui est avec nous ce soir. Le poète de ce soir nous dit « Ya men zayer bitna lina garab, qabla tadkhulha tsalli al mukhtar. El jalfa wulad nayel fil mujib, ahl al joud wujoud, sifa min al khyar. » J'espère que vous allez apprécier ces deux heures que nous allons passer en votre compagnie. Ceux qui vont vous accompagner aussi, ce sont des enfants de l'Jelfa. Ils vous parleront donc de cette ville, de leurs souvenirs, de leur enfance, des détails, mais aussi un petit peu d'histoire à travers justement notre émission ce soir. À ma droite, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Saïd Boukhelkhel, enfant de l'Jelfa. Il me dit anciennement retraité de l'enseignement, on va dire. Marhaba bik, Monsieur Saïd. Allah yaïchouk. Oui. D'abord un aperçu. Avant de donner l'aperçu, je présente nos invités. D'accord. Moi, je voulais juste confirmer que vous êtes bien un enfant de Jelfa. Absolument. Absolument. Très bien, Allah yaïchouk. Alors, à votre droite, alors lui aussi, il est citoyen de Jelfa. Et c'est Monsieur Ahmed Khairdine. Marhaba bik, aussi retraité, mais écrivain. On n'est pas retraité de ce métier, non, on va dire. Pas retraité intellectuel. Voilà, voilà. Retraité et écrivain. En parallèle, très très bien. Et vous voilà, avez déjà, j'ai écrit. Déjà publié et je continue à écrire encore. Très bien, très bien. Voilà. Donc, marhaba bik, ma'ana ce soir. En face de vous, aussi des enfants de l'Jelfa, à savoir M. Abdelkader Hamrouch. Bonsoir, M. Abdelkader. Alors, vous êtes dans la restauration, mais aussi, vous avez plusieurs casquettes, notamment, vous, dans l'art culinaire, dans tout. Et vous êtes un amoureux de l'Jelfa. Absolument, absolument. Je suis un enfant de l'Jelfa et je suis dans l'hôtellerie et le tourisme depuis une dizaine d'années. Très bien. Donc ce soir, vous allez nous parler un petit peu du secteur dans lequel vous vous trouvez, mais aussi vous remémorer quelques brides, quelques passages de votre enfance. C'est ça. Oui, oui. Je me souviens, j'ai grandi à Jelfa. Donc j'étais à l'école primaire de Jelfa. Et donc vous avez plein de souvenirs que vous allez partager avec nous. Absolument. Très bien. Absolument. Je présente notre quatrième invité qui est avec nous. C'est le poète. C'est M. Ziyani Belkassem. ولد الجلفة aussi. مرحبا بك معنا. بك وهلا الأخت الكريمة. مساء الخير. مساء الخير الشاهد السادة المشاهدين. ونقول لكم مرحبا بكم في خيمتنا. اي عايشك. وفي بيوتكم. في بيوتنا. في الخيمة اللي راهي معنا. بيتنا وخيمتنا. اي الله يعيشك. بارك الله فيك. Alors, par où doit-on commencer pour présenter le Jelfa pour ceux qui ne la connaissent pas? شوف الناس تبارك الله الغاشي جانا من البعيد وجاونا بزاف الناس باش يتفرجوا علينا ويسمعونا واش رايحين نحكيوا على الجلفة. واش نقدروا نقول لهم؟ Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur présenter déjà cette ville? Je donne un aperçu géographique et historique de la wilaya de Jelfa. Jelfa est situé au cœur de l'Algérie, dans la partie centrale du pays. Elle est d'une superficie de 32 000 km² et avec une population de plus de 1 400 000 habitants qui ont fait pratiquement la quatrième entité démographique du territoire national. Elle est aussi la capitale de la steppe. Depuis qu'elle est le siège du Haut Commissariat au développement de la steppe en 1981. Son climat, il est continental dans la partie nord, située sur le haut plateau, et semi-aride dans la partie sud de la wilaya, qui est le prolongement de la steppe, avec les daïas luxuriantes et les espaces sahariens. Maintenant, la composition ethnique de la wilaya, dans sa partie sud, c'est les tribus des Ouled Naïl, avec des tribus associées, assimilées, qui sont les Sahari, les Abaziz, les Beni Maïda, les Ouled Zid, les Ksouriens. Et ensemble, ils forment la confédération des Ouled Naïl, qui est la plus grande tribu d'Afrique du Nord. Dans la partie sud, on trouve les Nakhra, les Mu'adat, les Rahman, ainsi que les Ouled Issa,
Et eux, ils sont les descendants des tribus des Bini Hilal. Voilà la composition ethnique de la wilaya. Maintenant, le nom de Djelfa, il provient de la situation du sol de la région. C'est une plaine qui est entre les crêtes des monts du Sahari et les rives de l'Oued Mellah. Cette plaine, au moment des pluies, provoque des marécages. Et dès qu'il y a sécheresse, le sol se fondit et il forme une croûte qu'on appelle Djelfa. Djelfa, c'est l'origine du nom et elle a gardé depuis le nom de Djelfa. Très bien. Et l'appellation Oued Neil, jette Mnine, M. Hamrouch. Oued Neil, c'est notre ancêtre Sidi Neil, Mohamed Al-Khouchoufi de son vrai nom, qui a étudié dans la Zawiya de Khmis Meliana. Il a fait ses études à la Zawiya, chez le grand Cheikh, et d'origine bien sûr Mshorfa. Et il a Nail Al-Jaïza, il a Cheikh Taou Nail, il a dit Nail. Mais Nail, il a dit qu'il a le Zahra, au niveau d'Alger. Et ensuite, il est venu s'installer dans notre région, plus précisément à Ain Rich, et là il a fondé la confédération des Oued Neil et il a créé sa khayma en rouge et noir qui est caractéristique de la région des Oued Neil. Donc c'est cette khayma typique qui est derrière nous, que vous voyez, qui est le symbole des gens. C'est grâce à vous qu'on a pu la monter ici aussi, hein, à votre équipe aussi, on vous remercie. Voilà, les Oued Neil, c'est rattaché à Sidi Neil. Et Sidi Neil, il a une particularité, c'est reconnu par son hospitalité. Les gens venaient de tous bords, de toutes les régions, dans sa khayma, et il accueillait les invités, il les faisait manger. Depuis 4-5 siècles, donc c'est on un peu, on a eu cette tradition de notre grand ancêtre, oui. Sidi Neil. Donc nous sommes fiers d'appartenir à cette noble confédération. Et nous essayons aussi de perpétuer chez nos enfants ces vertus d'hospitalité, de convivialité et d'accueil. Très bien. Peut-être autre chose, doit-on rajouter, vous qui êtes également enfant de Djelfa, M. Ahmed. Sociologique et ethnographique, c'est juste ce qu'ont dit mes amis. Sidi Neil était un érudit qui est venu s'installer dans la région de Boussaada et il a fait grandir toute une université d'enseignement coranique et les tribus avoisinantes se sont installées autour de lui et à partir de ce moment-là, il a essaimé vers l'ouest. Et c'est pour ça que les Oued Neil se trouvent dans la région de Djelfa. Il y en a encore du côté de Boussaada, mais il y a un grand barycentre ici au niveau de Djelfa. Voilà ce qu'on pourrait ajouter pour Sidi Neil. Pour Sidi Neil, très bien. Et de qui est formée la population de Djelfa? D'où vient-il? La population de Djelfa, M. Boukhalkhal l'a signalé tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une tribu, mais il s'agit d'une confédération de tribus. Très bien. C'est-à-dire qu'il y a eu des alliances de tribus qui se sont regroupées autour d'un noyau central qui est la tribu des Oued Neil, qui était à cette époque-là une tribu guerrière, une tribu conquérante, mais aussi une tribu rassembleuse qui a fait l'union de toutes les tribus pour asseoir la paix dans la région. Et d'ailleurs, les enfants de Sidi Neil, par la suite, se sont mariés entre tribus pour que leurs enfants et leurs descendants pérennisent la paix. Voilà. C'est un très très beau message ce soir qu'on véhicule. Donc ils ont fait de leur diversité une richesse. Une richesse, exactement. Très très exactement. Bien. Unis autour d'une, on va dire, d'une union, mais cette union était basée sous la paix. C'était un très très beau message. Alors, que peut-on également ajouter concernant El Djelfa? Sur l'aspect historique, oui. Djelfa est également connu pour être, pour enfermer sur les parois de l'Atlas saharien, un patrimoine inestimable
de gravures rupestres représentant la préhistoire qui date du néolithique, de 5000 à 8000 ans avant Jésus-Christ. C'est sur ces parois, l'homme de la préhistoire a gravé son environnement faunique, ce qu'il voyait, ce qu'il y avait autour de lui. Il a gravé une multitude d'animaux de l'époque, des éléphants, des rhinocéros, des bovidés, des éléphants, des lions, des autruches, des antilopes. C'était son environnement de la faune. Oui, on a une idée sur la sphère qui régnait à l'époque. Qui avait absolument. À l'époque. Il y a près de 1000 gravures rupestres qui sont contenues dans une quarantaine, qui sont contenues dans une quarantaine de stations rupestres. Des spécialistes et des préhistoriens ont fait des recherches, ils ont écrit, ils ont laissé des documents, entre autres Monsieur Lefebvre, De Villaré, Henri Lotte et surtout Malika Hachid, qui a fait beaucoup de recherches dans ce domaine et qui a laissé un document magnifique sur les gravures rupestres représentant surtout les bovidés. Les bovidés, c'était l'animal le plus représentatif et le plus représenté dans l'Atlas saharien. Alors, encore une fois, ceci est un témoignage, est une preuve que au nord de l'Afrique, que même au niveau du sud, le climat n'a jamais été aussi aride qu'il l'est aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit souvent que le Djelfa, il fait très chaud en été et très très froid en hiver, mais le climat a bien changé depuis des siècles. Bien sûr. Vous le confirmez? Je vous ai dit qu'il y avait des éléphants qui étaient gravé sur les parois de l'Atlas saharien. Et quand on sait qu'un éléphant mange une moyenne de 5 à 10 quintaux d'herbe par jour, imaginez la flore qu'il y avait sur ces espaces-là. Très bien. Alors, une question là qui me passe par l'esprit, pourquoi et comment Djelfa est devenu à travers des années aujourd'hui quelque part représenté par le mouton? C'est vrai qu'il est très très bon le méchoui ici. C'est vrai qu'elle est... quand on est flaïd par exemple, on est content d'avoir son mouton de Djelfa. Très bien. Voilà. Alors comment que ça se fait que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon, pour revenir à Sissaïd. Oui. Tout à l'heure, il avait signalé toute une faune qui existait il y a 5, 6 000, 7 000 ans. C'est ça. Et cette faune est le témoignage d'un autre climat, d'une autre écologie, d'un autre environnement. Et cet environnement n'est plus le même aujourd'hui. Oui. Il y a eu une évolution. C'est ça. Il y a eu une stépisation, une désertification du territoire. Et il y a des populations également qui ont été dessinées, gravées sur les rochers. C'est un témoignage également sur la les populations qui existaient ici. Et c'est une bonne étude pour des recherches scientifiques. Maintenant, pour ce qui concerne le mouton. Oui. Le mouton, on dit qu'à l'origine, la domestication du mouton est nord-africaine. Et on retrouve dans les divinités égyptiennes et soudanaises le culte du dieu mouton. Et on arrive à trouver dans les gravures rupestres que nous connaissons ici à travers l'Atlas saharien, ce mouton divinisé à partir des attributs qui l'accompagnent sur sa tête, la couronne, etc. Et donc cette divinité-là est restée chez les populations anciennes comme étant un animal sacré. Et les populations donc étaient maîtresses dans l'élevage des moutons. Quand les Arabes sont venus en Afrique du Nord, ils n'avaient pas une très grande technique de l'élevage du mouton. Ils ont apporté avec eux le cheval, le
Quoique le cheval existait un petit peu aussi ici. Oui. Aussi, ils ont rapporté le cheval, le chameau, le dromadaire, et ils ont appris sur place ici les techniques et l'art d'élever le mouton, l'art de l'élevage ovin. Et nous avons hérité, toutes les populations ici ont hérité de cet art d'élever le cheptel ovin. Très bien. Et qu'est-ce qui fait que Djelfa est devenue une référence en la matière, à l'instar des autres villages? Djelfa, c'est vrai, elle a connu un développement très très important les dernières années. Si on prend à titre de référence, Djelfa, les années en 1861, quand elle a été créée par un acte administratif, elle avait 55 feux. Alors, en 1901, les statistiques donnent Djelfa 2000 habitants. En 1954, elle était à 10 000 habitants. Et en 2013, on est à 1 200 000 habitants. Là, toute la wilaya, c'est la quatrième wilaya d'Algérie, donc elle est très très importante. Et le chef-lieu de wilaya dépasse un peu, avoisine les 400 000. Donc, sur le plan du développement, Djelfa aussi a toute sa place dans le domaine du tourisme, de l'artisanat et de la culture. Donc, c'est une wilaya très très riche en gravures rupestres, comme disaient mes camarades. Donc, les gravures. Les gravures qu'on peut trouver à Zakar, dans la région. Zakar, Ali, c'est une station répertoriée par l'UNESCO, ainsi qu'à Aïn Daga, où il y a les gravures des amoureux timides. Donc, c'est une gravure unique en son genre. Et puis, il y a à peu près plus de 1200 gravures disséminées à travers la wilaya. Et on en trouve tous les jours. Quand on marche du côté de Zakar, à chaque fois, on fouille un petit peu, on enlève un peu de sable, on trouve des gravures. Donc, on a un patrimoine archéologique d'une inestimable. Donc, l'Algérie, elle est bénie. Et on n'a pas encore fini de découvrir, ce que vous avez dit. Le bovidé qu'ils ont signalé tout à l'heure, oui. Qui est Anticus, Bubalus Anticus, oui. Ce bovidé n'existe plus, mais il est resté gravé sur les rochers. Et on retrouve dans la monnaie algérienne le billet de 1000 dinars. Il y a dessiné dessus ce bovidé-là. D'accord ? Donc sachez que tous ceux qui possèdent ce billet de 1000 dinars, s'ils se demandent de l'origine du dessin. Il y a même des dessins, les gravures rupestres qui sont représentées sur le billet de 1000 dinars. C'est ça. Et qui sont de la région donc de Djelfa. De la région de Djelfa. Ouais. Et on a retrouvé ces cornes, qui d'une envergure de 3 mètres à peu près, et qui sont au musée local de Djelfa. Très bien. Donc, et c'est bien gardé, c'est bien sauvegardé surtout. Mais on doit encore, et c'est vrai qu'il faut beaucoup de moyens financiers pour faire encore d'autres recherches dans ces régions-là. Oui. Alors, on peut peut-être parler un petit peu des autres régions avoisinantes. On a cité Zakar, on peut évoquer aussi Messaed. Mm-hmm. Quelle est la particularité de toutes ces communes et toutes ces daïras qui ne sont pas très très loin, donc, dont fait partie Djelfa? Pratiquement la wilaya de Djelfa, c'est presque un continent au point de vue, disons, paysage, au point de vue situation géographique. Oui. Dans le nord, au nord, c'est la partie des hauts plateaux, c'est la partie steppique. Au centre, c'est l'Atlas saharien avec des régions boisées. Et vers le sud, c'est les daïras luxuriantes, c'est la partie aride de la wilaya. Voilà un petit peu l'aspect géographique de la région de la wilaya de Djelfa. D'accord. Je voudrais peut-être encore ajouter un petit peu, puisqu'on a parlé de la préhistoire, oui. L'époque berbère, oui. Qui est assez importante dans la région. Bien sûr. Ibn Khaldoun a affirmé que les habitants de la partie centrale du Maghreb étaient des zénètes. Donc nos berbères à nous, c'était des zénètes. Et ils nous ont légué également des ruines. Des monuments funéraires, des basinas, des tumulus, des dolmens. Et le plus important de ces sites, c'est le Kef Dachra, qui se situe à 4 ou 5 km au nord de Djelfa et qui est classé monument historique par le ministère de la Culture. Ah bah, très bien.
Alors, je vous propose, si vous voulez bien, une petite pause en musique et aussi en cavalerie. Vous avez remarqué, El Djelfa est connu aussi pour ses chevaux, comme l'avait si bien signalé tout à l'heure donc, nos invités. Je vous laisse en compagnie de Khayel et Touled Nayel et je vous dis à tout de suite. Merci. ها قرب يا ضيفنا والله ارتاح له من جود وكرم تعمل دارة نتلقاوك بالطعام اللي يملاح مرواني مغسول ما فيه قبارة شرفة ونعنع الفواح دم غزال مقطرة في القطارة أنت الشرفة ونعنع الفواح دم غزال مقطرة في القطارة يعجبني بارود مش جعبه طواح نظرة عيني في السماء داير دارة وعلى وجه فريد فزو اللواح وقت الفوف القرص داير جرارة Yeah.
C'était là avec vous, Hamida Nail. Voilà. Et Khayel et Ouled Nail. Yatekom Saha, merci de venir nous rejoindre où que vous soyez. Marhaba bikoum ma'ana. Vous êtes et nous sommes en direct avec vous à partir de Jelfa avec nos invités. Je rappelle monsieur Saïd Boukhelkhel, monsieur Abdelkader Hamrouj, monsieur Hamid Khirdin et également notre poète de ce soir, Ziyani Belkassem. On parlait donc un petit peu, on faisait un tour sur l'histoire de Jelfa. Nous n'en avons pas fini. On voulait juste, puisqu'on a évoqué tout à l'heure la cavalerie, peut-être que monsieur Hamrouj a quelque chose à nous dire sur El Khayel. Bon, vous savez que le cheval occupe une place très très importante dans la culture naïli. L'homme naïli, il est attaché à son cheval. Donc il y a le mukhlan ta'ou ou l'aoud ta'ou. Donc c'est quelque chose d'extrêmement, disons, attachant pour lui. Et surtout le cheval, le pur sang arabe, qui est connu dans la région. Nous avons le pur sang arabe et nous avons le cheval barbe. Donc le cheval barbe que nous voyons ici devant nous, c'est des chevaux très robustes, c'est des chevaux d'endurance, c'est des chevaux qui ont été aussi utilisés pendant la guerre de libération nationale et en même temps dans la résistance, pendant les épopées qu'a mené l'émir Abdelkader. Donc le cheval est un cheval intelligent, c'est un cheval avec un poitrail très fort et il y a même un adage qui parle des chevaux arabes. Il dit le cheval, il a les yeux d'une femme amoureuse, il a la démarche d'une jeune fille, et il a les flancs de la gazelle, et il a aussi le poitrail du lion, la vitesse du lévrier et la sobriété du chameau. Donc voilà notre magnifique cheval. Moi je voudrais juste rajouter, il a la fierté et des Algériens. Voilà la fierté. Et il est très, il y a une communion entre le cavalier et le cheval. Vrai, c'est vrai. Donc dans les fantasias, dans les mariages actuellement, pour perpétuer les traditions. Donc les mariages à Djelfa se font avec les chevaux. Donc les chevaux et le baroud. Donc et la mariée généralement aussi, elle est toujours habillée en burnous. Donc oui, c'est son père ou son grand-père qui la sort de chez elle, mm-hmm, et c'est le papa de l'époux qui l'accueille au perron ou dans avec la voiture. Le burnous. Donc voilà. Avec donc le burnous. Chez nous à Djelfa, les jeunes filles ne vont pas avec la mariée. C'est surtout les femmes âgées. Mm-hmm. Donc et toujours à Djelfa, les traditions veulent donner la place aux aînés. C'est l'aîné de la famille qui a toute qui a une sa place. Importante. Voilà, donc c'est le coutume de la région. Merci, monsieur Hamrouch Abdelkader. Oui, ajouter quelque chose à propos du cheval et de l'émir Abdelkader. Oui. L'émir qui a guerroyé ici pendant près d'une année dans la région a connu les tribus et les chevaux des Ouled Naïl. Au général Domas, qui lui demandait à Damas quelles sont ses impressions sur les chevaux. Il a dit qu'il a rencontré les plus beaux chevaux arabes chez les Ouled Naïl. Et je voudrais ajouter encore une anecdote personnelle. Oui. En 1969, quand on a reçu le président Boumediene ici, j'étais président d'APC à l'époque. Mm-hmm. On a réussi à l'accueillir avec 400 chevaux. 400 chevaux.
Alors que dernièrement, dans une visite officielle, on n'a même pas pu réunir 30 ou 40 chevaux. Pourquoi? C'est dire que l'importance du cheval de l'époque est actuellement le problème qui se pose dans... Oui, est en train un petit peu de partir de ses facettes. Je voulais ajouter quelque chose à propos de l'émir Abdelkader et sur ses différents passages à Djelfa. Oui. Donc déjà, c'est une référence pour notre région parce que l'émir était attaché à cette région où il a trouvé des gens accueillants et il les a même qualifiés de gens « Ahl al-Karam wa Niyya » ou « Ahl al-Ihsan ». Donc une région du côté du Rocher de Sel porte le nom de Karmonia, en même temps qu'une autre région à Zakar, où il y a les gravures rupestres qu'on a évoquées tout à l'heure. Oui. C'est une région où on l'appelle Derdera. Ça, l'émir, quand il a, quand il s'est installé là-bas, et ça lui a évoqué la plaine de Gris à Mascara. Et il dit, cette région me plaît beaucoup, elle me rappelle Derdera. On l'appelle actuellement Derdera. Allah ibarak. Notre écrivain, justement, est d'accord, puisque lui aussi, il en a écrit sur Djelfa. Et... Dans la littérature, l'émir Abdelkader, il a loué les chevaux algériens de la résistance. Quand il menait la résistance contre la pénétration coloniale. Et il a signalé les plus beaux chevaux qui ont frappé son esprit sont les chevaux de Humayyan du côté de Mishriya et les chevaux des Ouled Naïl qu'il dit incomparables au niveau du combat. Et Derdara, Saad Qadr, c'est le frêne, c'est l'arbre. L'arbre qu'on appelle en français le frêne. L'arbre et la grande Moubaï al-Kubra, la grande allégeance à l'émir Abdelkader. Les tribus, quand elles sont venues à Gris faire l'allégeance à l'émir Abdelkader, c'était sous Derdara. Et quand l'émir Abdelkader est passé du côté de Zakar, la plaine lui a rappelé la plaine de Gris. Il a dit, je me sens à Derdara, sous la Derdara. D'où l'appellation de Derdara. Voilà. Oui, très bien, allez-y, bien toujours, sûr. Toujours dans ce cadre-là, Gouvion a dit de l'émir Abdelkader, la selle était son trône. Et il lui arrivait de parcourir 200 kilomètres, il parlait en lieu à ce moment-là, en une nuit. Et il lui arrivait de rester à cheval pendant 36 heures, l'épée à la main, sans mettre pied à terre. Pour rejoindre l'histoire, l'histoire de des insurrections successives qui se sont suivies pour résister à la pénétration française, il ne faut pas oublier que l'émir Abdelkader, il avait à ses trousses 150 généraux de la grande armée napoléonienne. Tous sortis des écoles de guerre. Donc, et il a pu résister de 32 à 47 pendant 15 ans, comme l'a signalé M. Boukhatral, pendant 15 ans, nuit et jour, par tous les temps, par le froid, le soleil, l'été, l'hiver, il n'est pas descendu de son cheval pendant 15 ans. C'est pour vous dire la résistance de cet homme qui est absolument exceptionnel. Exceptionnel au point où même les Européens ont reconnu que c'était un adversaire redoutable et exceptionnel. Et même les Américains ont appelé l'une de leurs villes du nom d'Al-Qader. Al-Qader, tout à fait. C'est très bien. Alors moi, je voulais juste demander à notre poète, Ida Ndouchi Cher, concernant ce valeureux homme, ou la Kesh Beit Cheri, Min El-Jelfa, en hommage, yani, تخليدا لذكرى هذا الرجل العظيم اللي كان الأمير عبد القادر ولا للمنطقة شكرا الأخت الكريمة هي في الحقيقة ولاية الجلفة معروفة بشعرائها وهي تلقب بمدينة ألف شاعر ولست أنا الوحيد من الشعراء ولكن كاين فحول الشعر كاين من أمثال بالخير محفوظ هذا يعني معروف بقصيدة طلالية فيها أكثر من 412 بيت وهو كان يتغازل مع يعني المرسم واللي كان يقول فيها كان واحد الأبيات يقول فيها فط القلب من الفريسة يا سعد يا مهبرني جيت للمرسم عانيه ما سولتي وهعتي لي ضد وما قلتي عقار من يدي يبريه
عدت نقول عليك والصخر يردد لا يفهم مني كلامي لا يعيها وعدي وهنهار يعود اسود اما ليلي لا تسالش قاع عليه شفيت العديان جمله بالحاسد وحتى من لوعال حالي رقت ليه جميع اللي مبحلو بالسر خمد وبكيت صمي بدمع اللي شفتيه وكاين كاين شعر فحل من شعراء ويسموه شليقم رحمه الله عليه كاين سرصاب كاين شيخ المبارك من بلديه احد البلديات يسموها سيد الرحال بلديه الحاج عبد القادر اما انا في قصيده نقول يا من قصد بيتنا لينا قرب يا من قصد بيتنا لينا قرب وقبل ان تدخلها تصلي على المختار الجلفة وولاد نايل في الموجب أهل الجود وجود صيفة من الأخيار ذرية صلاح عزة من ينسب بثرية نايل ذوك ذرية لحرارة 48 عرش إذا تحسب ربي رافع شانهم شرفها منبار يبارك في النايلية وما تنجب والشجاعة من ظناها والمغوار شجرتنا صافية لبنو طالب موصل سلك من الذهب ما فيه غيار نيفو ضيف وواجبتنا ما تعقب يكفينا من طينة الفارس حيدار أهل الشيم اللي يتحافظ ما تورب ومحاسن تتعز قربتنا للجار مبسوطة على الجود والخيرات تكب تزكى ذيك نعومها من اللي دعشار واللي داهم عرضنا لابد ينكب طياب القلة ما يوافيها مشرار ما يربحش اللي مطاعنا يكذب ويولي عيش الرغد في بطنه نار ما يفلت من ضمكة الناب ومخلب راحت فترك للعظم دك والاظفار خلي القلب خلي الجوفه بلا مقصد دق قلب خرج قلبه شرمه جابوها هبار حدوا لحمه علم ذا طاح مسرسب وتسبل تحت المخالب طاح السيار يا سعد اللي قال لحماهم نهرب ذي القلعه متحصنه هلهة الزار استحذر بارودهم راهي عيب ناس النيه ذوك فرسان الميماره خيام كبار بالضيف ترحبوا تلقاهم نعت الطيورة في لوعار بارك الله فيك يعطيك الصحة يعطيك الصحة وراك مدون هذا الشيء كامل عندك كتب عندك مخرج هذا الشعر اللي راك تقول عليه راك كاتبه لا الشعر هذا مازال يعني معول ديوان إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله ان شاء الله وراك تشاركت في عدة مهرجانات شاركت في مؤسسة فنون وثقافة الجزائر العاصمة وتحصلت على الجائزة الثانية شاركت في مسابقة الدكتور محمد أبي شنب وتحصلت على الجائزة الثالثة في ولاية المدية تبارك الله تبارك الله يعطيكم الصحة on fait juste une petite pause car c'est l'heure de la prière dans la wilaya de la ville d'Alger et ses environs donc موعدكم مع أذان العشاء في مدينة الجزائر في ولاية الجزائر وما جاورها et je vous dis à tout de suite merci الله أكبر الله